notre Dieu. Nous voulons vraiment te louer, tant que Père, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous avons des bonnes raisons pour t'adorer. Nous avons des bonnes raisons pour t'exalter. Nous avons des bonnes raisons pour te louer et t'adorer, notre Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu es réellement parfait dans ta manière de faire les choses. Ce sont encore qui sont venus dans ta maison et ont tout abandonné et ont tout quitté, Seigneur, pour venir passer ce moment dans ta présence, mon Dieu. Mieux vaut un jour que parmi et plus meilleur, notre Dieu. Jamais assez, nous fatiguons, Seigneur, pas venir dans ta maison, Seigneur, parce que nous savons que cette maison de correction, c'est là, Seigneur, en ce lieu, Père, où toi tu descends, dans ta chéquina, Seigneur, dans ta gloire éternelle, notre Dieu. Tu viens nous parler, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, tu connais le fond de notre cœur. Tu sais quand nous sommes assis et quand nous sommes debout, Seigneur, même quand nous sommes couchés, Seigneur. Oh, tu pénètres de loin nos pensées et notre cœur est dévoilé devant toi. Seigneur, notre Dieu, qui est comparable à toi, notre Dieu. Tu es le seul et unique, notre Père. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimé le privé. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence en ce lieu, Père. Nous voulons vraiment te exalter, te louer, parce que tu nous as appelés. De la boue du péché où nous étions, tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu nous as lavés, tu nous as réellement fait de nous, de Christ et de fils de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, reçois la louange de l'Église, mon Sauveur. Tu as toujours pris soin de besoin, Seigneur. Quand nous sommes malades, Seigneur, c'est toi qui nous guéris, oh Dieu. Quand nous sommes dans des problèmes, Seigneur, nous crions à toi. C'est toi la solution à nos problèmes, Seigneur. En toi et exaucement dans ce soir. Fais-nous ton Seigneur, mon Père, dans la bouche que nous entendons nous parler. Nous voulons vraiment t'entendre, Seigneur, que l'homme disparaisse, oh Dieu. Et que toi seul qui vends ton action. Merci, notre Dieu, pour les gens des grands, mon Père, qui sont montés, Seigneur, devant nos fautes. Seigneur, tu les arrêtes. Seigneur, tu vois la disposition de notre cœur. Seigneur, s'il y a quelque chose en nous, Seigneur, qui t'en plaît, je pourrai agir, mon Dieu. Tu es miséricordieux et compatissant. L'homme à la valeur est riche en bonté. Seigneur, tu ne te lasses pas de nous pardonner. Pardonne nos péchés, nos fautes, nos enfants. Seigneur, enlève, Seigneur. On sait qu'il n'est pas de toi, Seigneur. Il est de nous, Seigneur. Laisse-moi le ta pouvoir, mon Père. Efface nos transgressions. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Le sang de Christ qui est en force de nous aujourd'hui. Des chants et des cantiques, mon Père, que cela soit réellement des parfums, de bonne odeur devant toi, Seigneur. Quand nous devons nous approcher de toi, avec feu et tremblement, mon Père, parce que tu es véritable dans la foi de ça. Tu es vivant, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous, Seigneur Jésus, ce que tu veux, oh Dieu. Accorde-nous ta grâce. Béni soit ton Seigneur. Merci pour le cœur qui s'est réjoui devant toi. Merci parce que tu nous décharges, mon Sauveur. Merci pour le repos que tu nous donnes. En Jésus-Christ, notre Seigneur, que ton Saint-Esprit soit encore le fondement de la terre ce soir. Domine dans ce monde, Seigneur. Oh, grand Seigneur, mon Dieu, prends nos vies, prends nos corps, prends nos âmes, Seigneur, et fais de nous réellement ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es merveilleux, tu es admirable, tu es magnifique, Seigneur. Sois loué, notre Père, sois exalté, pour le glorifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons exaucé. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Lève-nous de l'Orient. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la parole des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen.
fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Exalter notre Dieu. Nous voulons te remercier pour ta présence encore ce soir, Père. Louange et honneur à toi, Maître béni, parce que tu es le Dieu qui nous a visités, Père Saint. Tu es le Dieu qui vient encore ce soir, mon Sauveur béni, et qui console encore davantage nos cœurs, mon Père, au travers des chants et des cantiques, nos âmes te exalter, béni, Père. Et maintenant, corps patibissant, nos bouches s'élèvent devant toi. Et nous encore merci, ô notre Dieu, pour ta grandeur encore, mon béni, Père Saint, pour ton amour à notre endroit, pour tes grandes compassions, ô notre Dieu. C'est vrai, Sauveur béni, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu as raison de le dire, Maître béni, Père, que avant toi n'a point été formé de Dieu, et après toi il n'y aura jamais de Dieu. Tu demeures vraiment l'unique Dieu. C'est vrai, tu es vraiment le seul, mon Sauveur. Nous te disons encore merci, parce que c'est toi qui as fait connaître comment un Dieu est, Seigneur. C'est toi vraiment, mon bien-aimé, Père du Saint, le vrai, le véritable, c'est toi. Oui, tu dis, et la chose arrive, mon Sauveur, quand tu retournes, il existe tellement notre Dieu. Et nous sommes vraiment attachés à toi. Nous sommes heureux de savoir que tu nous tiens encore par ta main, Seigneur. Malgré les moments difficiles, notre Dieu, mais ton bras est tellement si puissant, Seigneur. Tu es vraiment puissant dans la bataille, mon être béni, Père au Dieu. Dans les combats de notre force, mon béni, mes frères, qui sont. Tu es notre victoire, notre Dieu. Sois donc béni éternellement, notre Père. Merci encore pour ton amour à notre endroit. Merci encore pour ta bonté, Seigneur. Nous sommes réellement consolés de savoir que l'Éternel est dans les camps. Toi qui conduis encore aujourd'hui, mon béni, mes frères, qui sont. Et qui manifeste encore ton bras, mon Sauveur, par les exploits, notre Dieu. Merci encore pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce. Père, merci encore d'avoir inspiré, mon béni, mes frères, qui sont. Merci pour les dans les cœurs encore ce soir, mon Sauveur, qui t'ont réellement chanté. Bénis-moi encore, mon précieux Frère, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais parmi nous, Père. Oh Dieu, sois donc béni éternellement, mon roi. Pour les dons que nous avons parmi nous, mes frères, qui sont. La grâce va te louer, toi, le seul vrai Dieu. Mon âme te reconnaissant en commençant cette soirée, Seigneur. Merci encore pour nos enfants, bénémoins, Père du Saint, qui t'ont chanté pour ceux qui ont fait l'année puissante comme les Père Dieu, pour les enfants, pour notre bénémoine sœur aussi, Père Seigneur. Nous te remercions pour chaque chose que tu fais pour nous, Père. Nous sommes heureux d'être à toi, de glorifier encore ce soir. Béni sois-tu encore notre Dieu. Nous t'avons ainsi glorifié, prié, Frère, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Oui, nous prions qu'il nous accorde la grâce de faire de nous ce qu'il veut. Ah, si. Amen. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut et que sa volonté parfaite puisse réellement s'accomplir dans notre vie. Nous voulons être que des instruments entre ses mains, de vases utiles, qu'il veut utiliser comme tu le veux. Nous supplions ces mots qui nous aident à pouvoir réellement être des vases purs, des vases qui sont sanctifiés. Et lui, il peut se servir quand il le veut et au moment où il le veut. Et nous voulons que chaque jour, il soit avec nous. Amen. Chaque jour, il nous aide aussi à pouvoir être dans sa main. Amen. Et qu'il nous utilise comme il le veut. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen.
qui accomplit toujours de merveilles parmi nous et qui ne cesse de le faire. Parce que s'il s'arrêtait de pouvoir le faire, que deviendrons-nous? C'est pourquoi nous ne vivons que parce qu'il vit. Amen. Nous ne pouvons agir que parce qu'il agit. Amen. Nous ne pouvons que prier parce qu'il est là. Amen. Nous le remercions de tout notre cœur. C'est vrai, nos rassemblements ne doivent pas être comme des rassemblements habituels. Amen. Mais nos rassemblements doivent avoir un sens pour chacun de nous. Amen. Ce que réellement nous nous préparons vraiment pour que nous puissions retourner à la maison. Amen. Le cœur, l'âme, l'esprit, tout ce que nous sommes est touché quand nous pouvons réellement voir lorsque le Seigneur nous ouvre simplement les yeux et qu'il nous montre en vérité la profondeur de ces choses que lui a fait et qu'il fait encore. Alors nous nous trouvons encore beaucoup plus petits. Et nous implorons vraiment de tout notre cœur. Quand nous disons que nous implorons sa grâce, nous l'implorons vraiment. Amen. Pour qu'il puisse vraiment nous aider, nous tenir encore dans les choses, qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir aussi voir et savoir que ces choses en question, non seulement qu'on peut le voir, mais ce sont des choses qui nous appartiennent aussi. Parce que Dieu nous les a donc aussi destinées aussi à ce que nous puissions réellement aussi prendre part et arriver à pouvoir avancer avec cela, comme les dons qu'il a donc distribués aussi à l'Église, afin que chacun puisse arriver à pouvoir réaliser qu'il est utile dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, effectivement. Alors Dieu lui donne aussi ce qui lui est nécessaire, afin qu'il soit aussi dans l'assurance de pouvoir servir ses dieux avec beaucoup d'assurance et aussi de certitude que réellement les seigneurs aussi l'utilisent. Parce qu'il a mis en moi aussi cette grâce d'avoir aussi ces dons, parce qu'il est écrit qu'il ne vous manque aucun don de l'attente où vous êtes effectivement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous prions pour que réellement que le Seigneur prenne possession de nous. C'est merveilleux, frères et sœurs, quand nous considérons ces choses qui nous sont donc accordées la grâce de pouvoir le voir et quand nous pouvons entendre aussi de nos oreilles la manière dont le Seigneur s'exprime lui-même dans sa parole. Et regardez comment Dieu, d'une manière tellement si simple, quand il parle, effectivement, il dit un mot, mais son importance est tellement si large et sa beauté est aussi si profonde, effectivement, parce que, c'est vrai, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et lorsque il prononce une parole, Quelle autorité la parole a, quelle puissance la parole a, parce que la Bible dit que lorsqu'il dit, la chose doit arriver. Amen. Et quand il lui, il ordonne, et elle existe effectivement. Amen. Et sa parole ne pourra jamais retourner à lui sans avoir accompli le dessein pour lequel il a été envoyé. Mais regardez l'autorité que cela revêt. Ce qui veut dire que pour nous qui sommes effectivement fils et filles de Dieu, comme notre précieux frère l'a lu tout à l'heure, il dit, mais vous êtes des dieux. Amen. Vous qui êtes fils du Très-Haut, nous sommes des dieux. Amen. C'est pas que nous l'inventons, mais c'est que nous sommes. Amen. La Bible le dit. Et j'aime notre Seigneur Jésus. Il a dit lui-même pour montrer que cette écriture est vraie, puisque cela est écrit. Je pense que cela était dans Jean au chapitre 10, quelque chose comme ça. Si je peux me retrouver dans Jean au chapitre 10, je suppose que nous allons peut-être regarder cela ensemble. Jean au chapitre 10, je pense que c'est cela, oui, ici. Voilà, je pense. Jean chapitre 10, nous lisons le verset. Nous pourrons lire avec le verset 24. Jean 10, verset 24. Il dit, le juif l'implorait et de lui dire, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Et pourtant, les Écritures avaient parlé de lui. Amen. Et quand il est venu, on pouvait voir de nos yeux, hein, les gens pouvaient voir de nos yeux que les Écritures se sont accomplies. Amen. Puisque c'est qui? Le grand problème, c'est qu'ils lisaient les Écritures, mais ils étaient absents. Amen. C'est que nous ne voulons pas non plus commettre la même erreur, frères et sœurs. Nous voulons lire les Écritures, être présents dans l'Écriture. Ah oui, certainement. Alors, à ce moment-là, nous comprenons, parce que je crois que cet homme ici qui attendait réellement la venue du Seigneur, oui, de tout son cœur, je pense, Nathanaël, il connaissait effectivement ce que l'Écriture disait de lui, n'est-ce pas? Parce que quand on l'a, quand Philippe lui a dit, voici, il lui dit, mais viens et vois, lorsqu'il est venu,
quand il a simplement entendu, il a reconnu que l'Écriture avait parlé de lui aussi. Donc il a compris que celui-là, c'est bien lui. Alors comment cela se faisait-il que les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs ne pouvaient pas réaliser que mais c'est bien lui qui est en face de nous, puisque les scribes lisaient bien aussi. C'est eux qui recopiaient la loi. Ils pouvaient bien reconnaître. Parce que quand nous lisons, le Seigneur a dit dans Josué, il dit, médite ma parole jour et nuit. Méditer ne veut pas dire qu'il faut lire comme un journal. Non, nous lisons et nous prions et nous restons concentrés à saluer. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre ce que je lis. Amen. Il dit, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce que, prenons par exemple le livre des Proverbes. Quand vous lisez Proverbes, vous devenez sage. Amen. Et bien sûr, nous avons... Et prenez le livre des Proverbes, c'est très instructif. Amen. Il te parle, effectivement, il te dit, non, c'est merveilleux. C'est merveilleux, tu dis, mais Dieu, comment? Mais oui, c'est vrai. Quand nous prenons le temps de lire, non pas comme un journal, mais quand nous avons comme étant la parole de Dieu qui nous parle, alors nous saisissons. Alors il dit, Jésus leur répondit, verset 25, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. C'est vrai, quand même, il dit, mais regardez tout de même les œuvres que j'ai accomplies. Et c'est là qu'il y a un souci, effectivement, avec les gens. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que quand Nicodème il vint de nuit vers lui, il dit, Rabbi, nous savons, parce que quand il pouvait... Mais c'est vraiment triste qu'on soit vraiment aveuglé jusqu'à ce point-là. Ah, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Enfin, triste, beaucoup plus triste, effectivement, que ses yeux aient pu avoir la grâce de pouvoir être là et le voir vraiment à l'œuvre, mais ne pas le voir. Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient point. Alors ils vont jusqu'à dire, mais ils disaient au peuple, ils ne le croyaient pas comme étant le Christ, parce que le Christ va venir. Et puis, effectivement, là où ils étaient dans le côté, ils me disent, mais nous savons, Rabbi, que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et même c'est vous savez, l'aveugle né, il dit, mais je ne peux pas comprendre que vous, qui nous instruisez, vous ne pouvez savoir d'où il vient. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Comment on ne peut pas savoir, parce que l'Écriture en parle, effectivement. Mais toi, qu'en dis-tu donc de lui? Pour moi, c'est un prophète. Amen. C'est vrai. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez pour tout ce qu'il vous dira. Moïse l'avait dit. Amen. Et les œuvres qu'il accomplissait, rendez témoignage, témoigner de lui qu'il est vraiment ce Messie, effectivement, qui devait venir. Alors il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Pourquoi il dit, mais mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne leur ravira de ma main. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. Quand nous avons trouvé notre bon berger, notre maître, et qu'il nous a appelés, que nous l'avons vraiment entendu, c'est terminé, frère. Amen. C'est terminé. Amen. Nous ne pourrons plus jamais avoir un autre maître. Non. Parce qu'avec lui, on est lié à la vie, à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, nous autres, parce qu'avant, on entendait beaucoup de bruit, on ne savait pas distinguer. Amen. Mais quand sa voix s'est fait entendre, toutes les autres voix se sont tues, sa voix maintenant a pris place. Amen. Maintenant, mon oreille est exercée. Amen. Beaucoup Amen. Peuvent parler. Maintenant, quand lui ne parle pas, je sais qu'il n'a pas parlé. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, frère. Amen. Avant, on acceptait n'importe quoi, on écoutait n'importe quoi. Mais quand l'oreille a été touchée, Alléluia. Quand l'oreille a été ouverte, frères et sœurs, nous avons trouvé la voix. Qu'est-ce qu'on a prié? Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! Amen. Alors les oreilles étaient tellement dans la joie d'entendre la voix de qui? Du maître! Amen. Alléluia! Amen. Maintenant, quand il parle, on plie les genoux. Amen. Parce qu'au travers de toutes les voix que l'on peut entendre, que son nom soit béni. Amen. C'est une grâce, ma soeur, qu'il ait ouvert tes oreilles à toi. Parce qu'il t'est dit encore aujourd'hui, parce qu'il dit, il est parti, non? Il dit, mais que c'est lui qui a des oreilles. Entend ce que l'Esprit dit aux églises. Beaucoup de voix se font entendre. Mais moi, je vais entendre cette voix, effectivement. C'est la voix de qui? Sa voix. Amen. Ah oui, mon frère et ma soeur.
Et quand je l'entends, ça pèlerine dans mon âme, c'est la paix. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que le maître est là. Amen. Il est là, puisqu'il est là. Alors tout va très bien. Amen. Alléluia. Alors nous sommes tranquilles, même si la barque est en train de boiser et chavirer. Oh non, nous sommes dans la paix. Parce que le maître est à bord. Amen. Donc pourquoi nous chantons ces hymnes? Je connais ces deux puissants. Alléluia. L'éternel est dans le camp. Si on est dans le camp, nous savons que tout ce qui peut arriver, nous avons la victoire. Amen. Puisqu'il est dans le camp. Amen. Nous réalisons que c'est une grâce, mon frère et mes soeurs. Ne prenons pas à la légère ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen. Mais prenons en considération qu'effectivement, Dieu a fait de nous un peuple particulier. Il nous a vraiment accordé la grâce qui est dans ces bas mondes dans lesquels nous sommes, où il y a le pouvoir, et puis lui-même, il s'est élu, il a dit, mon peuple, amen, mon peuple, ne sera plus jamais dans la confusion. Quelle grâce de pouvoir être frères et sœurs. Nous, nous devons des hommes et des femmes rassurés. Amen. Et quand nous sortons, même si on nous dit, mais monsieur, vous nous voyons que la lune va tomber, il dit non, non. Non. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil va tomber parce que la terre va trembler aujourd'hui, c'est la fin du monde, il dit non, non. La fin du monde ne peut pas être aujourd'hui. Amen. Aussi longtemps que je suis sur la terre, amen, il n'est pas encore la fin. Amen. Oh, je serai parti. Amen. Alors viendra la fin. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que nous l'avons entendu. Amen. Vous êtes des dieux. Amen. Mais continuons, regardez bien. Il dit, mais mes brebis entendent ma voix. J'aime beaucoup ça. Amen. Ah oui, ils entendent ma voix. Je le connais et elle me suit. C'est toujours sa voix. Amen. Et j'aime beaucoup ça, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il dit, mais je le connais. Donc, frère, soeur, ce n'est pas un hasard. Amen. Que toi, frère, que toi, ma soeur, que Dieu t'ait pris quelque part et t'ait placé à un endroit, et que nous puissions nous aimer comme ça. Amen. C'est pas quelque chose de naturel. Amen. Non, c'est tout à fait spirituel. Amen. Les naturels, ce sont les associations de même village, de même contrée, de même ethnie. Mais ici, nous ne sommes pas des villages, frère. Non. Amen. Ah oui. Ah oui, et pourtant nous nous aimons. Amen. Mais oui, pourquoi? Les brebis entendent ma voix. Amen. Ils appellent par leur nom, je les fais sortir. Eh bien oui, et puis c'est qu'il me dit, mais ils me suivent, nous ne suivons que lui. Amen. C'est là que nous réalisons aussi que nous sommes dans les Écritures. Et que ce que l'Écriture dit doit trouver place effectivement dans chacun de nous. Oui. Pas qu'on veut fabriquer que je veux faire ce que l'Écriture veut. Non. Je veux que l'Écriture s'accomplisse en moi. Amen. Parce que si cela a été écrit, c'était pour que s'accomplisse dans ceux, pour ceux auxquels il était écrit. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, si ça doit s'accomplir. Parce que regardez, c'est comme l'Écriture l'a dit. Et voici, la Vierge concevra. Je n'ai pas à faire l'effort, en fait, je vais concevoir. Non, l'Écriture a été écrite pour une vierge. Donc il faut que ça commence à dire là. Donc je me tiens, si c'est moi et toi. Amen. Tu n'as pas forcé, je dois concevoir. Non, laisse l'Écriture s'accomplir en toi. Amen. Si c'est pour toi, l'Écriture a été prononcée. Amen. Ainsi Marie n'a pas fait d'effort. Amen. Amen. Et celui-là, il ne pensait même pas, et l'ange lui est arrivé. C'était elle dont l'Écriture parlait. Donc si l'Écriture a parlé, et qu'il est question de toi, effectivement, eh bien, cette Écriture doit prendre place en toi. Amen. Comme nous l'avons entendu, mes brebis. Donc quand on a parlé, il dit, mes brebis, ce que toi et moi, nous étions comptés dans cela. Amen. Mais oui, frère. Parce qu'il dit, mais il entend ma voix. Aujourd'hui, quelle doctrine que nous suivons? Laquelle vous suivez? Quelle parole vous suivez? Quelle religion vous suivez? C'est laquelle? Avant, oui. On en avait beaucoup. Doctrine catholique, on mangeait l'hostie, on buvait du vin. On était, enfin, on ne buvait pas. Parce que les catholiques ne boivent pas. Ils mangent simplement. Et à gauche et à droite, quand ça sortait, effectivement, on allait à gauche. Mais là, c'était montré, mais non. Je n'ai pas envie d'aller dire à gauche ni à droite. J'entends la voix. Amen. Elle me conduit, oui. Où c'est? Mais à celui qui m'a appelé. Amen. Quand j'ai entendu l'appel, je n'ai pas entendu la voix d'un homme. Non. J'ai entendu la voix. Et c'est lui qui m'a appelé. Amen. Et mon cœur est attaché à celui qui m'a appelé. Amen. Dont mon oreille a entendu sa voix. Amen. Alors, là, on dit effectivement que non, certainement, Seigneur, je suis vraiment l'une de tes brebis. Amen. Alléluia. Parce que l'Écriture a dit effectivement que tes brebis entendront ta voix. Amen. Moi, j'ai examiné effectivement, en tournant à gauche, j'ai dit, mais quelle est la voix que j'ai entendue? Amen.
Parce que la voix que vous entendez, celle que vous suivez. Quelle est la voix que toi, tu as entendue? Donc si, parce que vous savez, si tu es la brebis, tu peux t'égarer quelque part. On te peut t'enfermer dans un enclos. Et puis quand le berger s'étire à l'extérieur, et qu'il crie. Amen. Oh là 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 là. Oh oui, mon frère. Amen. Lorsque sa voix se fait entendre. Alléluia. J'aime beaucoup l'exemple du petit éclos. Oui, amen. Avec les poussins. Bon, tous étaient dans le poulailler, effectivement, lui aussi, il dit, mais je suis aussi un petit poussin, côte. Mais il dit, mais c'est bizarre. On me dit, mange le ver de terre, tout ça, j'essaye, ça passe pas bien. Grand dans les saletés là-bas avec des pattes derrière, parce que c'est grand, ça ne va pas du tout. Et puis un jour, Alléluia. Un jour, pendant qu'ils étaient tous en ces sandales, ils étaient tous comme un poussin, comme tous les véhicules, effectivement. Un jour, il a entendu un cri. Alléluia. Et c'est qui a fait la différence. Amen. Tous les poussins ont fui, mais les gnons non. Alléluia. Quand les cris étaient, ils s'étaient dit comme ça, il a levé les yeux, mais c'est qui, n'est-ce pas? Il correspond à ce qui est dans mon âme ici, Amen. Dans le fond de mon âme. Je regarde, je ne fuis pas. Mais ça a touché mon cœur. C'est pas comme si ce que ils entendent, oh, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qu'on entend si il se lève, quelqu'un qui vient dans une église, dans un lieu, il se lève, il est en colère, il s'en va. C'est pas normal. Amen. On ne se bat pas ici. On vient pour trouver la paix. Amen. Et il pense, comment veux-tu que, au milieu de la réunion, tu te lèves avec colère, tu t'en dis même pas au revoir aux gens qui t'ont invité. Pas. On se dit, mais oh non, non, j'étais tellement, je suis parti. Mais toi, non, quand la parole, tu t'assieds et touche ton âme, tu deviens comme ça. Amen. Et non, là, il y a quelque chose qui est protégé. Et ça, c'est l'aiglon. Hein. Il a entendu le cri. Il n'a pas fui. Non. L'aiglon est resté. Amen. Parce que les autres, quand ça devient dur, on trouve l'occasion. Amen. Cette parole est dure. Qui peut le supporter? Qui peut l'entendre? Chez nous, c'est pas comme ça. Ah oui, tu viens chez toi. Mais l'aiglon, lui, il dit, mais ici, j'ai pensé être, mais c'était pas chez moi. Amen. J'ai entendu un cri tout à fait particulier qui a touché le fond de mon âme. Amen. Ah oui, mon frère, lui, il dit, mais ça vient d'où? Alors là, la mère, là, cet aiglon, il tourne autour, il dit, mais, il lance encore une fois, alors le cœur est percé. Amen. Il dit, mais c'est toi? Il dit, mais oui, c'est moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Je suis petit, il dit, non. Alléluia. Amen. Tu pensais être comme tous les autres. Somme 90, c'est pas vrai? Amen. Tu n'es pas comme les autres. Amen. Alléluia. Amen. Égale tes ailes. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Toi, tu peux m'invoquer, je t'entendrai. Alléluia. Amen. Il y est dans tes ailes. Tu verras que tu n'es pas comme un poussin. Mon frère et ma soeur, quand la parole de Dieu touche ton âme à toi et que c'est révélé à toi, tu n'es plus que la même chose. Amen. Ta prière est différente, ta façon de voir est tellement différente. Tu n'es plus comme tout notre chrétien. Non. Tu es un fils de Dieu Amen. Qui voit les choses de loin Amen. Et qui présente différemment. Amen. Parce que comment voulez-vous m'expliquer qu'un homme naturellement naturel, comme Paul et Silas, effectivement, Barnabas et Silas, on les frappait, pouvait s'énerver, non? En fait, je ne voulais absolument rien faire. Non, on les frappait, ils louaient Dieu. Amen. C'est anormal. Amen. C'est tout à fait anormal. Mais c'est compréhensif. Parce qu'il n'était plus comme les autres hommes. Quelque chose était passé, effectivement. Ils avaient compris en réalité ce que eux, ils étaient. C'est vrai, frère. Ce n'est pas un journal ou ce n'est pas une histoire. C'est vraiment notre histoire qui se passe, effectivement, qui a été écrite d'avance. Amen. Et que nous sommes en train de vivre. Mais c'est vrai, frère et soeur. Je vais vous. Là, de la Odyssée, était écrit avant, au moment où vous êtes né. Avant même que vos parents, vous ayez un parent, je sois né, n'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Bien sûr, mon frère et ma soeur. Mais c'est dans l'âge de la Odyssée qu'il était parlé de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, toi et moi, nous sommes dans cet âge ici, pour quoi faire? Pour que nous jouions notre rôle. Amen. Chacun de nous. C'est pas un hasard. Tu as un rôle, effectivement, parce que ta soeur qu'il a connue d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Donc tu es venu, tu es ici dans ce temps pour jouer réellement ton rôle à toi. Une fois que tu es effectivement, que là aussi, dans le rouleau du livre, effectivement, mais il est écrit de quoi? Amen.
Je ne regarde pas le voisin ni la voisine, mais moi. Amen. Est-ce que ma place est là-dedans? Alors quand tu lis, maintenant, dis, mais mes brebis entendent ma voix. Amen. Je le connais. Ah, il dit qu'il nous connaît. Donc il nous a appelés par notre nom. Sûr et certain, mon frère et ma soeur, quand le Seigneur t'a appelé par ton nom, tu l'as su. Amen. 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 Tu sais très bien qu'il n'a pas appelé ton voisin, mais bien toi. Amen. Parce qu'il te connaissait. Il savait qui tu étais. Tu sais, vous vous souvenez, non? Sachez. Amen. Il pensait que le Seigneur, de toute façon, le Seigneur n'était ni son voisin, ni son voisin de près, ni de loin. Non, il est venu loin. Mais Zachée vivait effectivement parce qu'il ne connaissait même pas. Vous savez quand même, non? Amen. Et voilà que Zachée qui disait qu'il ne me connaît pas, je monte sur le sycomore. Il voit quelqu'un qui il passe, effectivement, je vais essayer de le voir. Il s'arrête. Il dit Zachée. Amen. 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 Ne dites pas que c'est une histoire. Non. Il nous appelle vraiment par nos noms. Amen. Quand le livre est ouvert et qu'on t'appelle toi, tu sais que c'est toi. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est Dieu qui s'adresse à toi. Il faut que cela soit aussi quelque chose. Parce que sinon, comment toi tu peux réaliser que tu es un fils de Dieu si lui, il ne s'est pas vraiment adressé à toi? Il faut que cela soit. Alors nous continuons, on le dit. Mais vous ne croyez pas, verset 6, vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. C'est merveilleux, hein? Amen. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Voyez-vous quelle grâce, mon frère et ma soeur, ce que quand il nous fait sortir, effectivement, en fait, il nous a réclamé. Nous étions effectivement parmi tant d'autres, effectivement, mais dit, mais. Lorsqu'il appelle les brebis par leur nom, et ces brebis sont. Amen. C'est, nous l'avons entendu, non? Amen. Ses propres brebis sont, effectivement, et il va de l'avant, et il les suit. Certainement, il n'y en a aucun autre qu'en lui. Vous savez, probablement que quand ils sont dans la bergerie, vous savez, la bergerie, c'était un endroit, effectivement, où le berger vient de mettre aussi la brebis. Hein. Vous savez cela, non? Amen. Vous en appelez la bergerie. Alors, pendant qu'il sautait effectivement là, un berger qui pouvait rentrer, il a dit, ce sont les brebis de X ou Y, et tout ça, ça peut être mes brebis à moi aussi. Ou comme on dit, mais celle-là, c'est comme. J'ai dit, c'est quand même terrible. C'est tout de même terrible. Comment toi, tu t'es dit un prédicateur, un homme envoyé de Dieu, ou un homme appelé de Dieu, tu ne vas chercher que les frères ou les âmes qui sont dans l'église de quelqu'un. Je ne peux pas comprendre. Parce que tout de même, ton ministère à toi, c'est de pouvoir appeler ceux qui sont déjà dans les églises de quelqu'un, où tu t'as placé, pour que venez chez moi, là-bas c'est mauvais. Si tu as un appel à un ministère de Dieu, prêche la parole. Amen. Quand tu prêches la parole, effectivement, les âmes ne vont pas venir parce que tu les as appelées. Et parce que la parole qui a été prêchée, Amen. Ils ont comparé avec ce qu'ils entendent, effectivement. Ils m'ont dit, mais non, ce que j'ai entendu, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'ici, je mangeais l'hostie, je ne peux pas aller aujourd'hui, je dis, j'ai dit à l'église de côté, écoutez, vous, catholiques, venez dans mon église. Jamais. Non. Ils sont catholiques, ils se sentent bien catholiques, il n'y a pas de problème. Mon problème, moi, c'est quoi? C'est que je prêche seulement la parole de Dieu. Amen. Si parmi ceux-là, il y a un fils de Dieu Amen. Qui entend la parole, mais il va dire, ah frère, j'ai entendu, ça m'a touché. Explique-moi un tout petit peu ce qui se passe ici. Il veut connaître quoi? La parole. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais si tu vas là-bas, oh, viens dans mon église. Quelle est ton église d'abord? Donc si toi, tu as une église, ce que c'est ton église. Frères et sœurs, parce qu'il faut bien écouter quand les gens vous disent. C'est mon église. Et puis ils disent, mais ce sont mes brebis. Oh, quand j'étais là-bas, j'ai regardé, j'ai dit, cette brebis-là, j'ai déjà entendu des expressions comme ça par les gens qui disent qu'ils sont le serviteur de Dieu. Cette brebis-là, ah, je la vois bien dans mon église. Donc, dans l'église du frère où elle se trouve, là, vous riez, mais c'est la vérité. Donc, dans cette église-là où il est là, ce n'est pas bon. J'ai dit, celle-là, ou celui-là, c'est dans mon église que je veux, je le vois bien là-dedans. Eh bien, donc, Dieu qui l'a placé aussi là, il s'est trompé. Donc, si on travaille, ici, lui, il dit, mais moi, je rentre à la bergerie.
Il y a des brebis qui sont là. Moi, j'appelle les miens. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, j'appelle le mien par leur nom. Et celui qui est mien, je ne l'ai jamais forcé. Il dit, mais tu es mien, viens chez moi. Non. Il entend simplement la voix. Cette voix touche la profonde. C'est comme un exemple, frère. Ce frère qui est assis ici, frère Jonas, il a son fils qui est... comment il s'appelle? Godson. Voilà, Godson. Et ce que, lui, il peut forcer, vous dites, Godson, tu es mon fils à moi, viens avec moi à la maison. Il n'a pas besoin de dire ça. S'il est quelque part, ou Godson est quelque part avec d'autres enfants, effectivement, et que maintenant les parents viennent, vous savez, c'est comme à l'école, non? Ils sont tous ensemble, les enfants, effectivement, papa, les jours. Et puis chaque parent vient pour récupérer son enfant. Lui, quand il vient, il est gardé. Godson! Il appelle bien Godson par son nom. Qu'est-ce qui va se passer? Godson, quand il va entendre cette voix, là où il est, son cœur fait boum. Pourquoi? Parce que la voix qui sort là, ça sort avec un degré de sentiment, un état d'esprit, effectivement, qui rencontre effectivement le même degré d'esprit dans la personne, puisque le sang qui est en lui, c'est aussi en lui. Et quand même, Godson était encore petit dans le sein de sa maman, vous savez comment c'est passé, non? Il n'était pas loin de sa femme, quand la soeur attendait, toujours à côté. Ça va bien? Est-ce que ça va? La voix de ça va bien, là, le petit là-bas. Entendez? Amen. Et quand le petit est sorti aussi, il voit sa mère aussi. Bah, il a vu son père, il a entendu la voix parce qu'il a reconnu depuis le sein de sa maman. Vous entendez cela? Donc, c'est vrai, ne vous trompez jamais. L'enfant, même dans le sein de sa mère, connaît la voix de son père. Amen. Et cette voix, mais c'est la vérité. Amen. Et si vous ne le croyez pas, c'est la vérité. Amen. Cette voix est enregistrée dans l'enfant. Quand il sort, quand le papa parle, sa voix calme l'enfant. Amen. Parce que l'enfant sait que c'est mon père. Et à l'école, la même chose. Donc, quand il appelle, Godson, il prend son cadavre, il court. Pourquoi? Parce qu'il dit, ah, papa est venu me chercher, au revoir, au revoir, au revoir. Donc, chaque enfant, quand le papa ou la maman vient chercher, reconnaît sa famille. La voix de son père et sa mère, il connaît. Et puis, paf, il s'en va pour rentrer à la maison. Donc, c'est la même chose aussi avec un véritable fils de Dieu. Quand le Seigneur t'appelle, tu es, d'abord c'est une grâce, une reconnaissance pour toi. Tu m'as appelé, Seigneur. Amen. Tu ne vas pas commencer à dire, non, en fait, il ne peut pas t'obliger, mais viens avec moi, je t'oblige, tu viens, tu es ma fille, tu es ma brebis. Jamais. Jamais. C'est pourquoi nous comprenons que dans les choses de Dieu, frères, sœurs, un fils de Dieu, une fille ne peut pas se plaindre, même si, regardez, frère, même si je viens en boitant à l'assemblée, même si on a prié pour moi une fois, deux fois, je sors, je bois toujours, je ne peux pas me plaindre. Amen. Je dis, Seigneur, si je boite un jour, le fait de boiter cessera. Parce que je ne viens pas chez toi pour que je ne boite plus. Je viens chez toi parce que tu m'as sauvé. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Parce qu'il y en a des seuls découragements sur des colonnes. Non, mon frère. D'abord, le fils ou le fille de Dieu reconnaît une chose. Que ce n'est pas pour la bénédiction que je viens vers toi, mais parce que je reconnais ce que toi tu es pour moi. Mais Godson ne peut pas aimer ses papas parce que du père. Non, il aime son frère parce qu'il est frère et son papa. Si Godson aujourd'hui Godson, c'est parce qu'un jour papa a donné vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous aussi, nous réalisons en réalité qu'en fait, le Seigneur. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Des brebis, c'est donc qui entend la voix du Seigneur et qui reconnaissent et auxquels le Seigneur a eu à pouvoir accorder cette grâce de pouvoir. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils sont vraiment des chrétiens limitrophes. Parce que quand ils viennent au Seigneur, quand ils sont et que tout va très bien, il est le Dieu Tout-Puissant, le glorieux, le merveilleux, le merveilleux en sagesse, le Tout-Puissant. Quand il donne du pain à la maison, tout va très bien. Dieu Tout-Puissant, il est tellement si bon. Quand il te donne des biens, tout va très bien. Mais maintenant, quand il freine un tout petit peu, alors là, ça devient un problème.
Dieu aime aussi cela, mon frère et ma soeur. Parce que c'est un Dieu qui aime aussi éprouver. Amen. Amen. Pour voir vraiment si ton amour est un amour vrai et sincère, à son endroit. Quand tu viens, c'est un Père qui t'accueille, il va tout te donner. Tu veux ça, il te donne, tu veux ça, il te donne. Maintenant, quand tu arrives, il dit, bon, je t'ai montré ce que je suis. Je t'ai donné. Maintenant, je vais voir maintenant ce que toi, tu as pour moi. N'oubliez jamais ça, frère. N'oubliez pas, jamais n'oubliez ça, frère et soeur. C'est important pour vous. Et parce que Dieu ne cache rien. Il a toujours montré. Il a fait avec Abraham. Non? Abraham, il a béni Abraham avec bienveillance, puis il donnait, par exemple, le fils qu'il attendait de tout son cœur, tout derrière, il demandait à tout le monde que Dieu m'a donné. Et puis après, il dit, mais viens me donner ce fils-là. Est-ce que Dieu mange les gens? Non. Non. Il dit, ton enfant-là, viens me l'offrir en holocauste. Il a demandé à Abraham. Et va voir comment tu vas réagir. C'est la chose auquel tu tiens tellement, tellement, tellement. Dieu, parce que nous l'avons entendu, non? Il est très jaloux. Amen. Très jaloux, effectivement. Il dit, c'est des choses que toi, tu veux, là. Il a dit à Abraham, il dit, c'est Isaac, là, ton fils, là, ton unique, là, que tu aimes tant. Il est bien, les chrétiens. Il dit que tu as mon cœur, là, Isaac. Il dit, que tu aimes tant, là, Abidin. Voilà ce que je vais faire. Moi, ici, je le veux. Prends le couteau, prends le feu, coupe la gorge. Toi, pas quelqu'un d'autre, mais toi, viens me l'offrir. Je vais voir l'amour que tu as pour moi. Vous voyez que Dieu est un Dieu particulier. Mais il est tellement merveilleux que quand il t'éprouve, il veut voir jusqu'où tu peux aller. Il a fait la même chose avec Job, comme vous savez, effectivement. Ainsi donc, c'est pour que nous puissions être dans un état où nous prenons la question d'avoir, Seigneur notre Dieu, quel est le degré d'amour que moi j'ai à ton endroit. Parce que pour moi, regardez ce que toi tu as manifesté comme amour pour moi. Alors que moi, je ne te connaissais pas. Je n'avais même pas une pensée bonne à ton endroit. Je m'en foutais, mais on dit, mais de tout ce que tu dis, effectivement, j'allais où je voulais. Mais tu m'as regardé, tu m'as aimé quand même. Tu es allé même jusqu'à mourir pour moi. Moi qui ne t'aimais pas, qui ne faisais pas attention à toi. Tu as payé les prix pour que je puisse. Vous savez, c'est... quand on peut penser, un tel degré d'amour, parfois, c'est insaisissable. Vous le parlez, frère et soeur, c'est insaisissable. Comment? En fait, il était, son amour était tellement si sincère qu'il a accepté l'ignominie, qu'on puisse flageller. C'était pas lui, mais c'était. Il a pris donc le poids de mes péchés, le fouet qui devait tomber sur moi, alors que moi, je me moquais de lui. Alors que moi, je n'avais rien à faire. Mais il a quand même porté cela sur lui pour moi. Et alors, moi maintenant, quand je réalise cela, de quel est le degré de l'amour à son endroit? Il n'a même pas fait cas de sa propre vie pour toi. C'est vrai, frère. C'est quelque chose de tout à fait vrai. Maintenant, la question est, quelle est la place vraiment que je donne à cet homme d'égalité qui a vraiment supporté toute cette ignominie à mon endroit. Et puis il me dit, tu as vu comment j'ai été flagellé avec des fouets, avec du clou. L'Écriture disait que c'est par ces maîtrises que toi tu vas te guérir. Je n'ai pas caché mon dos, j'ai laissé mon dos. Parce qu'il fallait que toi, tu aies la guérison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous saisissez? Vous savez, c'est pourquoi je crois que j'ai eu un pouvoir en tant que, je ne sais pas si c'était vrai, mais il semble qu'on a trouvé des morceaux, si cela est vrai, je ne sais pas, de composition de l'amour de Dieu. Vous connaissez? L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire à un cœur humain. C'est dans le mur d'un asile de fous. Vous avez déjà entendu il dit ceci que si chaque tige était une plume et chaque homme est un écrivain et si l'océan
était plein d'or. Oh Jésus, mon roi. Et le ciel, fait par son âme, décrit l'amour de Dieu, réfléchit, sécherait les océans. C'est donc bien, effectivement, que la profondeur. Donc, l'homme s'est tenu là. Il a regardé le ciel. Il a regardé la terre. Il dit, oh, non, Seigneur. Et David m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme, oh Dieu? Pour que toi, tu te souviennes de lui comme tu te souviens de moi. Alors que ma mère n'est pas près de moi. Mon père n'en faisait même pas. Ma soeur n'en faisait pas. Tous les hommes ont rejeté. Je ne valais rien à ces moments. Mais toi, le Dieu très haut, tu es descendu jusque là où j'étais. Comment ne pas aimer ce Jésus? Amen. Allez dans la maison du Seigneur, je ne pourrai jamais pas être content pour ça. Amen. C'est pas quand je suis là, c'est là que je gagne encore. C'est là que ma vie a un sens. Amen. C'est pas que quand je suis au bureau avec des papiers tout autour de moi et signer des contrats, faire marcher des marchandises que je suis un homme. Non. Je suis un homme parce que j'ai fait emballer les cartons. Parce que j'ai distribué comme boucher la nourriture, parce que j'ai fait dans les rayons où je vends les vêtements. Non. Quand je sers, c'est Dieu. Alors ma vie a un sens. Ah, je sais effectivement où est-ce que j'en suis, ce que je sais. Et ce qu'il est pour moi. C'est pourquoi, peu importe l'état dans lequel tu peux te trouver, ne te plains jamais. Amen. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi cela? Non, souviens-toi simplement que toi, ta vie à toi, est une écriture. Amen. Et que la Bible, quand quelque chose t'arrive, pose la question, mais, Seigneur, c'est un rapport avec quelle écriture? Toutes choses concourent pour le bien de ce qui est Dieu. Amen. Cela arrive, effectivement, parce que j'aime Dieu, alors gloire à toi. Et c'est aussi une grâce pour moi, non seulement de croire en toi, mais de souffrir aussi pour toi. Amen. Et continuer en disant, j'ai envie de te dire, le dit. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais, personne ne reviendra de ma mère. Verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Amen. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Moi ici, et le Père, vous savez, parce que quand il dit cela, écoutez bien. Alors, les gens disent, ah oh, oui, donc il a donc Dieu le Père, et puis, il y a, parce qu'il dit, mon Père est plus grand, donc Dieu le Père, et puis Dieu le Fils. C'est ça, non? Regardez comment il dit. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Mais c'est la vérité. Dans le livre des Éphésiens, on dit quoi? Dieu qui est au-dessus, Père, mais qui est au-dessus de? C'est vrai, non? Amen. Donc, Dieu qui est au-dessus de tous. Alors, c'est Dieu qui est au-dessus de tous. C'est le Père, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ s'est fait homme. Et c'est Dieu qui a pris la forme de notre. Regardez bien. Alors, ici, regardez bien. Il dit, moi, voilà, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors le juif prit de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? C'est merveilleux. Hein? Il ne s'énerve pas. Il dit, bon, écoutez, bon, vous avez pris des pierres dans vos mains. Vous voulez me lapider. Vous savez, frères et sœurs, aussi vrai notre Seigneur est passé par là. Si toi tu es un fils de Dieu, c'est sûr et certain que tu auras toujours des problèmes dans ta vie. Amen. Amen. Ta vie à toi sera une vie de douleur et de souffrance. Même ceux qui se disent, ceux qui vont plus encore te maltraiter, ce sont encore davantage des religieux. Ceux qui sont tes soi-disant frères, vraiment, tes soi-disant sœurs, là, effectivement, et c'est sûr et certain. Ceux-là, c'était des juifs, non? Ils connaissaient bien les Écritures, non? Et ils ont pris les pierres. Et puis, bon, j'aime Dieu, et Seigneur, vous avez pris les pierres, en plus, on va me l'habiller. Il n'y a pas de problème. Mais laquelle
pour quelle raison, quelle est la raison réellement particulière que vous avez pour laquelle vous voulez effectivement me lapider. Lui l'exprime encore clairement ici, comme il dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Donc, de toutes ces œuvres-là que je vous ai fait voir, que vous avez vues, laquelle qui a fait effectivement que vous puissiez être bouchulé et que vous voulez me lapider, montrez-moi. Écoutez la réponse. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. C'était beau d'être en son temps, s'asseoir là à ses pieds, le voir comment il parlait, comment il pouvait confondre ses adversaires. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Mais dans la loi que vous avez, que vous défendez, que vous lisez, vous la lisez comment? Vous la lisez comment? C'est ça, quand on a un esprit religieux, c'est la tristesse. Il ne faut pas avoir l'esprit religieux, il faut avoir l'esprit de Christ, en fait, l'esprit de Dieu, qui te conduit, en fait, qui te montre les choses. Alors, tu marches selon la parole de Dieu. Il dit, mais, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, pas quelqu'un d'autre, vous êtes des dieux. Donc, il dit, mais, moi, j'ai dit, comme nous l'avons entendu la leçon, vous êtes des dieux. Il dit, mais, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, quelle créature! Amen. Oh oui, que Dieu te bénisse, mon frère, j'ai le temps. C'est vrai. Si il a appelé Dieu ceux à qui, voyez-vous, frère, c'est cela que les gens ne peuvent pas comprendre, en fait, en réalité, hein, que quand nous pouvons nous tenir et dire que nous sommes vraiment des dieux, c'est pas une illusion, mais nous le sommes. Parce que nous sommes nés de ces dieux. Amen. Étant nés de lui, nous avons la même caractéristique que lui. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Pourquoi on nous appelle fils du Dieu très haut? Amen. Si on est fils de Dieu, ben on est des dieux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es fils de Jonas, tu es quand même un homme, non? Mm-hmm. Parce que Jonas n'est pas un chien. Mm-hmm. Quand on dit... Comment s'appelle? Godson, fils de Jonas. On comprend que c'est un être humain. Jonas est un homme. Donc, quand on dit fils de Jonas, Godson, Jonas, c'est considéré que celui-là, c'est un homme, pas un cheval. Mais quand on te dit que toi, tu es un fils de Dieu, tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. C'est la Bible qui le dit, non? Amen. Il dit, mais. Séparez-vous et je serai votre Dieu. Amen. Et vous serez pour moi de fils et de filles. Amen. Et la Bible dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, oui. C'est vrai. Selon la parole de la vérité. Selon sa volonté. C'est vrai. Donc nous sommes nés de Dieu. Pas de la volonté de la chair de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Et c'est vrai, vous entendez cela, mais en fait, la difficulté, c'est que de pouvoir réaliser que vous l'êtes. Et Dieu te bénisse. Parce que quand je vous observe, quand je vous observe, quand vous entendez cela, vous dites, c'est vrai, mais en fait, vous n'y croyez pas profondément à cela. C'est-à-dire que vous n'entrez pas vraiment dans la chose. Et pourtant, c'est écrit pour vous. Pour que toi, ma soeur, toi, mon frère, qui me regarde, que tu comprennes que tu n'es plus comme les autres. Pourquoi t'es soucié? Pourquoi crier? Mais tu es un fils de Dieu. Il a dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi tous ces cris? Ce peuple n'a-t-il pas vu mon bras à moi? Les Égyptiens là-bas, ils n'ont pas eu un Dieu comme leur Dieu. Les Égyptiens ont tremblé devant vous. Mais vous arrivez ici, pourquoi tous ces cris? Pourquoi tu cries? Parle seulement. Amen. Et la chose est celle-là. Amen. Et c'est cela qu'on parle effectivement de la foi. L'homme, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouverai-je vraiment la foi sur lui? Et la foi, c'est une chose que Dieu nous a déjà donnée.
pour que nous puissions en prendre possession, que nous réalisions. Il dit, mais oui, c'est à qui la parole a été donc adressée. Il dit, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez, reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Vraiment. Amen. Oui. Notre Dieu nous montre effectivement en réalité ce que nous sommes devenus pour Dieu et ce que Dieu lui-même aussi a fait de nous dans ces temps et dans ces moments dans lesquels nous sommes. Et comme nous le disons, je vais terminer par là, je veux que vous voyez quelque chose. C'est cela que chacun de nous doit être conscient. Je vais terminer par là. Vous remarquerez dans les Saintes Écritures, nous avons lu effectivement un rapport avec l'Écriture qui dit, je veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas vrai? Amen. Regardez une chose. L'avons lu avec vous, et ça vous pouvez remarquer, que dans le livre de Jean, je vais terminer, il est écrit que la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Amen. Est-ce que vous entendez bien ça? Amen. La vérité et la grâce sont venues par Jésus. Moïse nous a apporté la loi. Mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. N'est-ce pas vrai? Amen. Tous les Juifs, en grande majorité, effectivement, vous vous souvenez, quand le Seigneur leur a parlé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, nous n'avons jamais été esclaves de personne. N'est-ce pas vrai? Amen. Nous avons pour père Abraham. Oui. Il leur dit, mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez donc les œuvres d'Abraham. N'est-ce pas vrai? Amen. Il dit, mais c'est quand même très bizarre que vous ne pouvez pas comprendre mon langage. N'est pas vrai? Est-ce que vous n'êtes pas enfant de Dieu? Parce que si vous étiez, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Est-ce que vous suivez? Il nous a dit lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Alors il dit, mais là, vous faites les œuvres de votre père. Qu'est-ce que votre père a lui fait? Regardez-moi ici, regardez pas la fête. Qu'est-ce que votre père lui a? Il dit, mais c'est le père du mensonge, n'est-ce pas? Le menteur, il n'y a point de vérité en lui. N'est-ce pas vrai? Amen. En lui, il n'y a point de vérité. Il est le père du mensonge. Donc, quand il nous fait comprendre cela, il dit effectivement que dans l'adversaire qui est Satan, la vérité ne se trouve pas. Et tous ceux qui sont possédés par cet esprit, effectivement, ils n'ont pas la vérité en eux. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils combattent la vérité. Amen. Vraiment, amen. Dans le livre de Timothée, 1 Timothée, au chapitre 3, parlant de jeunesse, ils ont dit, mais ils s'opposent à quoi? À la vérité de Christ. Vous voulez qu'on lise? Vous voulez qu'on le lise? Bon, d'accord. 1 Timothée, regardez. Je vous montre quelque chose. Et Dieu t'est bon Dieu au chapitre 3, je pense que c'est là. Chapitre 3, voilà, verset 8. Timothée 3, verset 8, il dit, de même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. N'est-ce pas vrai? Regardez une chose. C'est là que vous devez réaliser ce que Dieu a fait de vous et la grâce que Dieu vous a accordée. Regardez-moi. Les Écritures, effectivement, au fur et à mesure, nous éclairent et nous montrent effectivement ce que
ce que nous sommes, que ce n'est pas une illusion, mais c'est une réalité, ce que Dieu veut faire. C'est vrai. Si vous savez, comme l'Écriture l'a fait savoir, Jésus-Christ, notre Seigneur, est vraiment la vérité. Amen. Parce qu'il a dit, sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Et la parole a été faite chair. Vous savez, non? Amen. Il a dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, regardez une chose, frère et soeur. Nous sommes dans l'âge de la Laodicée. Vous suivez? Je vais vous montrer quelque chose et puis nous allons prier. Qu'est-ce que vous voyez dans l'âge de la Laodicée? Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, ça vous le savez de toute façon, dans tous les autres âges, il y a une différence entre l'âge de la Laodicée. C'est laquelle? Dans l'âge de la Laodicée, le Seigneur Jésus, il est en dehors. Il est à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? C'est l'église, non? De toutes les églises, effectivement. Il est donc mis à l'église. Il dit, mais je me tiens à la porte, à l'extérieur, et je frappe. Bon. Si il est dehors, or lui, il est la vérité. Est-ce que vous suivez? Il est le chemin, il est la vie. Mais si il est dehors, l'église, effectivement, dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si la vérité, le chemin et la vie se trouvent dehors, rejetés par les hommes, alors qu'est-ce que les hommes ont à l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? Sanctifié par ta vérité, ta parole et ta vérité. N'est-ce pas vrai? Amen. Et comme nous l'avons entendu, effectivement, c'est que comment croiront-ils en celui dont tu n'as pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui? Donc c'est par la prédication de la parole de Dieu que l'homme arrive à la connaissance quand même. La vérité, non? Donc maintenant, celui qui est la vérité, il se trouve dehors, à l'extérieur de l'église. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux, frère. C'est bon que vous compreniez que ne faites pas de distance ici pour venir voir un frère ou une soeur. C'est pour votre vie, Amen. Votre salut, votre préparation. Enfin. Dites pas, Seigneur, je fais des kilomètres. Non, c'est pour votre bien. Amen. Mais oui, mon frère et ma soeur. Ma soeur Christiane, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. On prie pour toi, soeur. Amen. On sait que tu es une soeur âgée, mais tu quittes tellement si loin, bravant la pluie et les vents, pour être là, et puis après tu cours vite pour prendre un train. Ne pense pas que Dieu est ignorant. Amen. Dieu voit ce que tu fais. La sincérité de ton cœur, c'est de Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Si il est à l'extérieur. Donc la vérité, la vie, ne mène pas dans les églises. Voilà pourquoi les éliminés, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Parce qu'au milieu d'eux, il n'y a rien. Amen. Alors, quand le cri a retenti, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu es sorti, non? Amen. Vous savez ce que l'église veut dire? L'église veut dire élu en dehors de. Ça c'est du latin ex lege. Donc choisi en dehors de. Dieu a choisi du milieu des nations. Vous suivez? Amen. Et dormez pas, je vais prier pour vous aller rentrer à la maison. Et en fait, je veux que vous compreniez que vous êtes responsable et le jugement est aussi sur vous. Quand vous venez dans un endroit comme ça et vous vous asseyez n'importe comment, vous jouez, vous partez, sachez bien que Dieu vous demandera des comptes
Pourquoi? Pour quelle raison? Quand Dieu nous a appelés, nous disons quoi? Nous disons quoi, effectivement? Que nous sommes qui? Nous sommes l'épouse de Christ. N'est-ce pas vrai? C'est-à-dire l'église de Christ. Nous ne sommes pas dans les églises du monde. Nous ne sommes pas l'église du monde. Nous sommes l'église de Christ. Ah ah. Si nous sommes l'église de Christ, est-ce que vous suivez? Nous sommes qui? Nous sommes le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez vraiment? Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous n'avons connu la vérité que par lui. Amen. J'ai pas entendu le mot derrière. Amen. C'est 100% vrai. Amen. Nous n'avons connu la vérité que par lui. Amen. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Amen. Amen. Moi, je suis le bon berger. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. L'Église, c'est le corps d'Église. N'est-ce pas vrai? Amen. Regardez ce que la Bible dit. Livre de Éphésiens, je pense que c'est cela. Regardez. Chapitre 3, verset 1, dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vos païens, vous y êtes ?» Amen. Au frère Jonas, qu'est-ce que le verset 2 dit ?« Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. » Merci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Vous vous souvenez encore, non? En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, ce que les païens sont co-héritiers, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 9, prêtez attention, et le verset suivant. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. N'est-ce pas vrai? Verset 10, il dit. C'est pourquoi, écoutez très bien, frères, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par les églises, par l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est dans l'église de Jésus-Christ que se trouve la vérité. Amen. Et c'est cette église-là qui doit démontrer la vérité aux hommes. Parce que les hommes veulent voir la vérité. Où se trouve la vérité? Elle n'est pas dans les églises des hommes, mais c'est dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, regardez, frère. Dans le livre de Jude, nous lisons quelque chose. Regardez bien. Je pense d'abord à 1 Jean, chapitre 2, je pense bien. 1 Jean, c'est là. Non, 2 Jean, deuxième épître de Jean. Regardez. Deuxième épître de Jean. Il dit. L'ancien à Kyria, verset 1. C'est Kyria, c'est qui? Vous voyez comment l'écriture est claire? Amen. Papa, je dis que quand tu es un élu de Dieu, tu peux savoir. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen.
c'est quand même la Bible. Hein? Amen. L'ancien à Kyria, qui était l'élu. Donc ça veut dire que Kyria ici avait la grâce de savoir que Dieu l'avait élu. Parce que c'est écrit même dans la Bible, mon frère. Amen. Donc la Bible ne trompe pas. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Donc vous ne pouvez pas dire, je marche comme ça. Non, oh, je ne suis pas certain, ce que je suis. Non, quand Dieu t'a appelé, il doit placer qu'ils ont en toi. Tu t'es fait non. Toi, tu verras ma face. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis peut-être frère, je ne suis pas encore. Non. Si tu es le peut-être, il y a quelque chose qui ne veut pas encore sur toi, il y a un problème. Amen. Parce qu'avec Dieu, c'est une assurance. Amen. C'est pourquoi si notre cœur nous condamne, tu es plus grand. Amen. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants, écoutez bien, que j'aime dans la vérité. Amen. Et ce n'est pas moi seul qui les aime. Mais aussi tous ceux qui ont connu. Frère, tous ne connaissent pas la vérité. Amen. C'est vrai. Oui, on peut parler de la vérité, mais ils ne connaissent pas la vérité. Et écoutez, on dit, mais à quoi, vous avez bien, verset 2 dit, mais à quoi, vous avez bien entendu comment il a parlé d'abord. Amen. Je relis encore, à l'ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants qui, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, frère. Quand quelqu'un a Christ en lui, et de toi tu es une fille de Dieu, mais il va t'aimer de tout son cœur. Mais c'est vrai, on peut dire, mais comment il peut aimer des frères? On ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose qui te pousse, mais j'aime. Oui. Parce que la vérité est là-dedans. Nous continuons, on dit, mais. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Écoutez, la Seigneur dit, mais à quoi de la vérité qui demeure en nous. Amen. Et qui sera avec nous. Amen. Pour l'éternité. Amen. Il dit que la grâce, les écoutes et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent effectivement dans la vérité sur le commandement que nous avons reçu du Père. Maintenant, prenons le troisième. Jean, regardez. Regarde la page. Il dit, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alors nous pouvons passer une nuit. Amen. Et Dieu te bénisse, ma vie de ça. Il dit, dans la vérité, essayez de l'animer. Bien-aimé! Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Le verset suivant, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de quoi? De la vérité qui est où? Alléluia. Amen. La vérité qui est en toi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mon frère et ma soeur, j'ai terminé, frère et ma soeur. Le Seigneur, dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Ésaïe 53, dit, s'il consent de donner sa vie, il verra une postérité et il prolongera ses jours. Quand on parle de postérité, ce ne sont pas tous les croyants qui sont sur la terre, mon frère. Non, frère. Ah oui. Vous voyez, frère et soeur, la postérité d'un homme, c'est pas un chien. Tu peux pas dire, ah, voici ma postérité, tu montres ton chien, ton cheval. Non. N'est-ce pas vrai? Ta postérité à toi, c'est celle qui vient de toi. Amen. C'est pas ce que tu as dit, non? Anisa sera nommé pour toi une postérité. N'est-ce pas vrai? Anisa, c'était la postérité d'Abraham, qui au travers de cela, toute la postérité va avoir lieu. Amen. Isaac venait d'Abraham. Est-ce que vous suivez? Amen. Alors, quand on parle de la postérité du Seigneur, c'est une partie de l'humain. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Soyez pas distrayés. Une partie de lui-même. Et la Bible dit, hors de ses eaux,
chair de sa chair. Amen. Quand Adam a vu Ève, elle dit, voici celle qui est hors de maison. Chair de ma chair. Qui est partie de lui-même. C'est-à-dire son épouse. Et c'est dans l'épouse que Jésus-Christ, notre Seigneur, prolonge et prolongera. Si aujourd'hui, le monde veut voir Jésus le Christ, il doit monter au ciel. Non, monsieur. Alléluia. Amen. Le corps est là. Le corps est là. Amen. Ouvrez. Il faut que vous puissiez être conscient. Lève-toi. Sois éclairé. Amen. Pas leur lumière, mais ta lumière. Amen. Et qu'est-ce qui t'inquiète de débattre? Les nations marchent à ta clarté, à toi, à ta lumière. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Amen. Si aujourd'hui, les hommes veulent voir le vrai Jésus, ce n'est pas dans les églises, mais c'est en toi. Amen. 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 Si aujourd'hui, les hommes veulent voir la vérité, effectivement, la vraie vérité, la parole vivante, Amen. Ils doivent voir ça au travers de toi. Amen. 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 Pourquoi? Parce que tu es une écriture vivante. Alléluia. Frère et soeur, mon frère et ma soeur, vous me regardez, vous ne savez pas la responsabilité qui repose sur vos épaules. Mm-hmm. Pourquoi on dit que tous les saints et les prophètes auront désiré vivre dans l'âge de la Odyssée? Pourquoi? Alléluia. Parce que c'est l'âge où Dieu va se manifester dans les hommes. Regardez, mais Dieu est dans cet homme-là. Amen. Où voulez-vous voir Christ, effectivement? Dans ma soeur? Amen. Dans mon frère? Amen. Sûr et certain. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que... Il dit, mais vous devez marcher d'une manière digne de l'évangile. Amen. Et vous, comme l'Écriture le dit, vous êtes devenu, je l'écris, hein, un modèle. Hein, Thessaloniciens, chapitre 1, je lis là, puis je parle. Nous la lèverons pour prier. Hein, nous la lèverons pour prier. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, regardez comme il dit. Verset 1 et 2, bien, puis je termine, hein, nous terminons. Une fois que j'ai juste commencé à 10, et puis nous lèverons, nous terminons, nous prions. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Vous avez entendu? Amen. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Amen. Vous avez entendu? Amen. Vous avez entendu? Amen. Verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Vous avez entendu? Amen. Nous continuons. Verset 7, il dit, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur est entendue chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore... Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. Mon frère et ma soeur, il s'agit des élus. Amen. Donc quand les gens voulaient voir vraiment la véritable foi, c'était dans les élus. Amen. La vérité de la parole de Dieu, c'était dans les élus. Amen. Jésus-Christ encore aujourd'hui, parce que les uns disaient, oh mais c'était simplement hier. Mais pour les élus, il est toujours le même. Hier, Amen. Aujourd'hui, éternellement. Amen. Oh, nous parlons, j'ai dit la parole de Dieu, effectivement. En fait, pour les élus, il n'y avait pas seulement la parole, mais aussi les œuvres du Seigneur qui s'accomplissaient. Amen. La parole était prêchée et Dieu accomplissait. Amen. Pas les discours, mais Christ étant vivant, en fait, dans ce corps. Donc, nous devons comprendre, effectivement,
la responsabilité. Nous avons mon frère et ma soeur. À l'endroit de Dieu, et aussi dans ces mondes qui meurent, effectivement, et dont les gens meurent sans espérance, sans foi, sans Dieu, et qui sont enfermés dans les credos, des dogmes. Si vous avez honte de parler de ce que c'est Jésus a fait de vous, comment est-ce que l'homme qui est là, qui se meurt sans Dieu, pourrait-il venir à la vie? La religion lui a pas donné la vie, mais toi, Christ, t'as donné la vie. Amen. Cet homme veut voir aussi une personne, non seulement les discours qu'il a entendu dans ses églises qu'il est passé, mais il veut voir des lettres vivantes. Comme tu me vois là, j'étais, mais quand j'ai entendu, j'ai expérimenté ce que l'Écriture a dit. Amen. Vraiment, oui, je suis un témoignage vivant. Amen. On veut des lettres écrites. Témoignage vivant. Parce que les hommes veulent voir Jésus-Christ. Et comme vous le savez aussi, frères et sœurs, le but du Seigneur, c'est de manifester véritablement qu'ils sont à lui. Pour que les hommes, ici sur la terre, soient jugés. Parce que vous, mon frère, vous, ma sœur, vous serez assis sur le trône. Amen. Vous avez oublié ça? Non. Vous avez oublié? Non. Il y a longtemps qu'on entend ça. Quand on a lu dans Daniel, on va dire, assis sur le trône, vous jugerez les anges. Mais c'est vrai, c'est écrit comme cela. Sur la terre, nous sommes un peuple de Dieu et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Pour les péchés et l'autre que nous donnons, Jésus, et nous pardonnons aux péchés qui sont venus.
qu'on vient nous faire en silence. Pour l'amour que tu nous as témoigné ce soir. Pour la grâce que tu as réellement manifestée à notre endroit. Seigneur, pour moi, ne pas t'aimer, mon bénédiction. Même si les hommes ne te croient, même si les hommes se lassent pour être bénis, merci à toi. Même si les hommes ne chantent pas pour moi, et Seigneur, nous avons trouvé des grâces dans ta grâce. Mon Dieu, combien ton amour est tellement si grand. Merci encore, Dieu, de grâce à toi ce soir. Bénis mon frère, Père, bénis ma soeur, mon roi, et apporte ta grâce, mon Père, sous-titrage à toi, pour toi, tu es encore mon Dieu. Oh, béni sois-tu, merci. Merci encore pour la délivrance, merci encore pour la délivrance, Tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas trouver le temps de faire ta vie, tu vas tr
Don't
te remercions, nous pour le pardon de nos péchés. Ce soir, tu as aussi libéré le Père. Ce soir, tu as aussi effacé nos péchés pour moi. Ravelle-moi, pardonnez-moi, moi. Nous sentons aussi les génies pour le Père. Louange au de la croix. Nous sentons ici en paix pour le Père de la et t'as réconcilié avec toi, réconcilié aussi avec ton frère et ma soeur, mon bénévole frère. Oh, tu gardes avec moi la paix de mon cœur, mon bénévole frère. Oh, souviens-toi, tous les fois de chaque réunion encore aujourd'hui, je te loue, mon bénévole frère. Et mon frère va être en paix, et ma soeur va être en paix. Et le pardon y soit accordé, mon bénévole frère. Oh, que la vie y soit accordée, la grâce y soit aussi accordée, mon bénévole frère. Oh oui, chaque nation qui se trouve, qui soit aussi béni, Père. Ce soir, nous te remercions pour ta paix. Merci encore pour ta parole. Merci vraiment. Tu nous aimes beaucoup. Oui, nous réalisons la grâce que nous avons devant ta face, mon Père. Nous te verrons, Père. Nous savons que nous te verrons. Nous t'aimons, Seigneur, avec tout notre cœur. Notre vie a un sens qui est pour toi, mon Père. Ce soir, bénis ceux qui sont venus, les étudiants qui sont venus, Père, et aux examens pour préparer, Seigneur, donne encore l'intelligence encore, mon Père, que cette année qu'ils réussissent, Père. Nous te remercions parce que nous donnons la victoire dans toutes choses. Louange à toi, honneur à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme ça, c'est Marie.